Entraînement grandeur nature pour le CRRFR, le Corps de réaction rapide France, lors de l'exercice Citadelle Guibert 2011. Près de 1700 soldats de 15 nationalités différentes sont présents, dans un seul but, se perfectionner. Contrainte, faire jouer deux PC en simultané à 300 km de distance, l'un en Allemagne et l'autre en Belgique. Nous avons suivi le RSC, le PC arrière à Leopoldsburg en Belgique. RSC est un poste de commandement de soutien arrière qui est déployé dans la zone arrière dans le théâtre. Sa mission est de conduire le processus du RSOI qui consiste à, disons, à transformer les unités, le matériel et le personnel qui arrivent dans le théâtre en une unité opérationnelle. Pour mener cette action, ce PC évolue sous une structure particulière. Je commande trois sections. Une section opération courante, en charge de maintenir à jour l'image SICKEF. Une deuxième section, mouvement, qui s'occupe de mettre à jour l'image logistique connue. Et la troisième, composée de cellules de surveillance qui sont en charge de la gestion du personnel qui arrive sur le théâtre et aussi des risques NBC. Le RSC a été modifié en 2009 au sein du CRRFR. Aujourd'hui, c'est la première mise en œuvre sous cette nouvelle forme, un véritable challenge qui a vu la réussite d'un travail commun avec du personnel venant du CRRFR, des états-majors internationaux et des réservistes. On pourrait imaginer que la distance est une difficulté. Or, les technologies d'aujourd'hui permettent de s'en affranchir. La coordination entre nous et l'Allemagne, pour l'instant, se passe parfaitement. Il n'y a pas de frontières, parce que nous disposons de tous les moyens de communication nécessaires, vidéo, par exemple, pour communiquer avec notre poste de commandement principal. Fort de cette expérience, le CRRFR aborde de manière sereine les exercices à venir.